vas demander à Dieu de te délivrer. Chacun va prier. Tu vas demander une délivrance de la part de Dieu. Tu vas demander que Dieu te libère ce soir. Tu vas demander la manifestation de ta puissance dans ta vie. Il faut lui demander que ce soir est une rencontre où tu dois expérimenter la puissance de Dieu. La puissance de sa délivrance. Tu dois être délivré ce soir. Prions ensemble le Seigneur. Ouvre la bouche et parle. J'aimerais que tu pries. Thank you.
va. Thank you.
maîtriser, sinon elle va se faire ses dégâts parce qu'elle a commencé à faire ses dégâts. Servante de tes parents t'ont mis dans la sorcellerie. Ça m'a rattrapé ici. Pour ça, dans la vie, il y a des choses pas négligées. L'esprit qui est là, c'est pas bon. C'est un esprit de serpent snake. Okay.
Amen. Amen. Amen.
Va-t'en. Le Saint-Puissant Esprit de Marie de nuit dans la vie de cette âme. Et je vais te parler ce soir. Tu vas lâcher sa vie. Si, tu vas lâcher sa vie. Tu vas libérer sa vie. Va. C'est un nom. Tu vas quitter sa vie. Paris maintenant. Tu m'attends? C'est un ordre. Tu vas partir et tu vas libérer sa vie. Va-t'en. Va-t'en. Ce corps ne t'appartient plus. Ce corps ne t'appartient plus. Tu pars de sa vie. C'est un ordre. Non, tu vas partir. Tu m'entends? Tu vas dégager. Libère-la. Libère-la. Tu es là. Va. Va-t'en. 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 Ton règne prend fin. Tu lâches sa vie. Elle ne sera plus ton esclave. Elle ne sera plus ton esclave. Tu ne pourras plus la manipuler. Laisse-la. Et quitte sa vie. Voilà, plus bagage. Et va-t'en. Bagage va. Si tu ne pourras pas résister à cette action de Dieu dans sa vie, plie bagage et va. Tu m'attends? Plie bagage et lâche la vie. Tu ne pourras pas résister à l'action de Dieu dans la vie de cet âme. Tu m'attends? Aujourd'hui est le jour de sa délivrance.
acclamer le Seigneur.
Thank you.
Oh,
la puissance de Dieu. Nous recevons ta puissance. Je suis fondé
promis.
Je suis
fait. C'est un esprit qu'on est en train de chasser. Mon souhait, c'est que vous soyez libérés. Et le souhait de Dieu, c'est qu'on ne vous bouffe pas inutilement comme ça. Ben, je vous conseille d'avoir Dieu dans votre vie. C'est ça qui est plus important que tout ce que nous sommes en train de faire ce soir. Il faudrait l'avoir dans votre vie. Je suis resté parce que Dieu me demandait de rester pour prier pour d'autres personnes. Amen. Hein? Le passeport? Oh, merci. Je vous l'ai maintenant. Okay. Non, non, attrape. Donc je suis là pour prier pour vous. Amen. Amen. C'est vraiment très important. Il faudrait que mon passage ici, la prochaine fois, j'ai le témoignage. C'est tout ce que je recherche. Dieu sait ce qui n'était pas bien fait, ce qui doit être bien fait. C'est pour cela que je suis là encore pour 3 jours. J'ai dit, c'est moi-même qui ai payé mon hôtel. J'ai aidé à payer la salle parce qu'on voulait être délivré. Il faut qu'on me trouve une voiture. Et que vous me permettez de visiter les familles. Moi, mon heure de sortie, c'est 18h. Voilà. Parce que moi, j'ai pris la nuit, c'est 20 midi, je me réveille pour manger. L'après-midi, c'est à 18h que je sors. Parce que je sais pourquoi il faut aller dans les familles. Voilà. On va commencer. Voilà, la dame qui a le bébé là. C'est vraiment un impératif d'arriver chez toi. Donc, on va essayer de voir ça tout à l'heure. On va essayer de régler ça et puis on va régler. Je vais prendre les familles jusqu'à mercredi. J'ai fini et puis je rentre par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Donnez-moi une bouteille d'huile. Donc, une bouteille d'huile. Avec l'huile. Oui, on va acheter d'abord. Laissez-moi faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Amen. Ma prière ce soir, c'est que tu aies l'argent. N'est pas lui, n'est pas même. Amen. Celui qui n'est pas l'argent n'a qu'à sortir de la salle. L'argent n'a qu'à s'asseoir. L'argent est trop important. Si tu n'as pas l'argent, qui va te respecter? Tu prends pas au sérieux. Amen. Amen. On va prier pour la grâce de Dieu. Cette semaine, ce sera une semaine de prospérité. Amen. Je vous demande, je vais faire quelque chose avec vous. Je vais prendre une bouteille, je vais mettre dans votre main. Et puis ensemble, je vais prier. Thank you. Voilà. Je vais prier pour vous. Mais en même temps, je vous conseille de prendre la bouteille. Cette semaine, vous devez prendre la bouteille. Je vais vous montrer ce que vous devez faire. Levez les mains, je vais d'abord prier pour vous. Il faut que je prie pour vous. On n'a pas peur. Et les gens, ils ont peur de tomber. C'est normal si tu tombes sur les esprits. C'est normal. Cette semaine, après avoir pris lui, on met dans votre main. Ça va dépendre de vos moyens, mais normalement, vous devez prendre 3 bouteilles et partir avec. À partir de demain, soit vous mettez la moitié de votre bouteille. C'est-à-dire que vous avez ça toute la semaine. Vous utilisez les 3 bouteilles toutes les semaines et faites des proclamations pour que les finances que le diable vous a détruites, vous le ramènent. La stratégie du diable de ta pauvreté est de loyer de Dieu. Quand quelqu'un est pauvre, tu ne peux pas de lieu de prière qui ne va plus là-bas. Parce qu'il dit que non, il est contre Dieu. Voilà. Donc, après la prière, allez prendre chacun 3 bouteilles. Voilà. Pour ton commerce. Tu es tombé pour tes finances et ça, pour ton travail, tu dois le faire. Moi, je suis prophète. Je suis dans Action Prophétique. Aujourd'hui, là,
L'argent là, on va parler de ça, il faut que ça vienne. Dans cette semaine là, c'est ce qu'on va traiter. On a trop attaqué son site, mais il faut qu'on attaque la priorité. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Je vais prier pour vous. Que la puissance de Dieu vous touche ce soir. Que la puissance de Dieu vous touche ce soir. Si vous voulez que Dieu vous délivre, Dieu vous délivrera. C'est pas. Les gens ont peur, mais il faut que s'il y a un esprit, il vaut mieux qu'il parte que de vivre avec lui. Voilà, parce que s'il y a un démon qui est là, c'est pas bon. Voilà. C'est comme cette dame, il faut que je prie pour elle, il faut que je prie pour toi. Voilà, parce qu'ils t'ont trop marabouté, il y a trop de maraboutage autour de toi. Il faut que je prie. Parce que j'ai un problème d'accident très grave dans lequel tu vas rester. Il faut qu'on prie pour toi. Après la jeune dame, je dois prier pour toi. C'est pour ça qu'on n'aime pas dire les choses devant les gens. C'est pour ça que quand je suis venu chez vous, non, quand on va venir à privé, c'est ta vie privée. Tu n'as pas besoin des gens. Touré aussi, je dois venir chez toi demain. Voilà, il faut qu'on prie pour vous, que vous soyez à l'aise. Maintenant, si le prophète est venu, que vous voulez donner une enveloppe, vous me donnez une enveloppe et allez nourrir mes pauvres orphelins. Voilà, vous comprenez? Mais il faut qu'on parte chez vous pour prier pour vous. Ça, c'est important. C'est pour ça que Dieu m'a demandé de rester. Le bourreau là, tout de haut, monsieur. Le gagou. On prie, je prie pour vous. Fermez les yeux que je prie pour vous. N'ayez pas peur. Le prophète ne fraye pas les gens. Il est gentil, mais les méchants et la sorcellerie. Je vais prier simplement pour vous. Que la puissance de Dieu. La main que je pose, c'est comme si c'était Dieu qui me touchait. S'il y a quelque chose en toi qui n'est pas. Parce qu'il faut que ta vie soit libérée. Il faut que les esprits te libèrent ce soir. La puissance de Dieu. Vivre avec les esprits, c'est dangereux. Parce qu'il peut vous perdre d'une façon aussi. Comment vous voyez vos comportements qui sont normal, c'est une du monde derrière. N'ayez pas peur. C'est la force de Dieu qui vient écraser le pouvoir du diable. Et le diable vient de céder la place à la puissance de Dieu dans votre vie. Pour que vous ayez un esprit saint. Pas plus, pas un esprit mauvais. Or, quand l'esprit mauvais est là, il est dangereux. Il ne faut pas avoir peur. Elle a très mon bras. Il ne faut pas avoir peur. Tous les cartons ici. Je m'en vais que les servir. Ah, je reviens. Les cartons. Et bien, il faut faire jeûne. Tu demandes à 16h. Okay. On va se voir. Et puis, j'ai chimoté. Il y a trois esprits qui t'emmènent. J'ai pas quelqu'un qui toujours annonce grand détail qui t'a poussé de ton mari. Jamais tu m'arrives. Tu gênes jusqu'à 16h. On va régler ça. Ma peau, et ton ma peau, et ton
La conscience.